Vous vous souvenez de ce streamer XQC qui avait envoyé sa communauté pour effacer notre hommage à Lola Pour ceux qui avaient participé, vous étiez nombreux à avoir participé. Notre hommage à Lola lors de la Pixel War. Et eh ben ce monsieur, je ne le connaissais pas du tout alors que c'est le streamer numéro 1 monde. C'est le plus gros streamer mondial. Alors franchement, je ne sais pas du tout qui c'est. J'ai compris que c'était quelqu'un d'important quand César Doche a commenté pour parler de notre Lola. Et qu'il a dit que ouais on a XQC je sais plus qui d'autre sur le cul et que c'était chaud parce que, euh, que c'était gros que c'était mondial quoi donc le mec est un Québécois et il a euh, voilà il a lancé sa communauté bon franchement honnêtement je lui en veux pas trop ni à tous ceux qui ont participé activement à effacer Lola parce que c'est juste des PNJ en fait qui euh, à qui on a dit que c'était méomazie, en fait voilà, C'est-à-dire que c'est des PNJ euh, qui sont là, euh, pff, qui ne sont pas trop politisés, qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, qui ne connaissent pas les thématiques françaises, les problématiques françaises, les affaires françaises. Et en gros, il y a des gens qui leur ont dit Attention, il y a des mecs d'ultra méga droite qui font, un, qui font un truc vraiment méchant, etc. sur Pixel War. Et ils ont dit Ok, vas-y, on y va, on va détruire ça. Parce qu'être méchant, ce n'est pas gentil. Hein, tu comprends ils réfléchissent pas à ces mecs-là, tu vois. Euh, ils ont 10 secondes pour eux, ils ont accordé 10 secondes au truc, 10 secondes pour eux, avec les centaines de milliers de personnes qui les regardent, c'est euh, une après-midi de travail pour nous, en fait. Parce qu'on avait mis 2 heures à construire, en 10 secondes, ils le détruisent, parce qu'ils ont une force de frappe incroyable, et ils sont déjà passés à autre chose 10 secondes après. Donc c'est pas à eux que j'en veux. Hein. C'est pas à lui que j'en veux, personnellement. Mais plutôt aux gens qui sont allés lui dire euh, des mensonges, quoi. Après, je les laisse se débrouiller avec leur karma, parce que, je veux dire, s'en prendre un hommage pour Lola, faut vraiment euh, pff, ça doit être franchement, faut pas avoir une vie très enviable je pense, voilà, tout simplement. En tout cas, XQC un réinvite dans l'actualité, on va regarder ça tout de suite. La puce, plus, que la la rue, RNG nous dit vous vous souvenez du gros streamer qui, au nom de la veuve et de l'orphelin, a envoyé toute sa communauté faire ça sur notre hommage à Lola Le voici dans une nouvelle vidéo où il commente avec le plus grand mépris ses esclaves en train de nettoyer son caca. Alors, en gros, il est chez lui, en train de faire ce que beaucoup de streamers React font, c'est-à-dire, en gros, regarder une vidéo et réagir, donner son avis. A priori, c'est ce qui marche en stream. Alors, moi, je ne savais pas, moi, pendant longtemps, j'ai produit des pranks, je parlais avec les gens en mode radio libre, euh, ça m'est arrivé de regarder des trucs, etc. Mais en fait, il faut juste regarder, en fait. faut juste regarder, rien dire. En fait, tu choisis des contenus pour les gens. C'est-à-dire que les gens, ils sont arrivés à un niveau d'assistanat qui fait qu'il faut choisir leur contenu à leur place. C'est merveilleux! Euh, je ne savais pas qu'on était là, mais c'est merveilleux. C'est-à-dire, tu choisis des trucs à regarder. Il paraît que lui-même, carrément, des fois, il met des vidéos de 10 minutes, un quart d'heure, il s'en va, il va faire ce qu'il a à faire, et un quart d'heure après, il revient, et il dit euh, Ouais, voilà, et il met une autre vidéo. Quoi. Alors, il y a certains YouTubeurs, certains créateurs de contenu sur YouTube et autres, qui commencent à se plaindre et qui disent que c'est du plagiat, en fait. Parce qu'en gros, il fait son argent en diffusant que d'autres contenus en commentant très peu, en critiquant très peu, euh, du coup, euh, en apportant très peu de valeur ajoutée. Donc, quel est l'intérêt, en fait C'est-à-dire, il gagne de l'argent, les gens le payent, il fait de la publicité sur des contenus d'autres personnes, sans rien dire, sans même pas les critiquer, etc. Je suis pas sûr que ce soit euh, autorisé par la loi. Donc, nous, on va faire la même chose que, que ces gens-là euh, critiquent, c'est-à-dire qu'on va regarder son contenu, sauf que nous, on va critiquer, et on va parler, on va en gros faire une vidéo de 10 minutes sur... Un extrait de 52 secondes. C'est parti. Donc là, il est chez lui, dans sa pièce où il travaille. Je ne sais pas si c'est chez lui. Peut-être que c'est un studio qu'il loue. Je pense que ça doit être un studio qu'il loue parce que pour qu'il ait des femmes de ménage qui rentrent comme ça sans lui demander son avis, ça doit être un truc plus ou moins professionnel. Vous voyez, à mon avis, il est dans un, dans un, soit un hôtel, soit euh, dans un bureau qu'il loue et qu'il a aménagé comme euh, truc de streaming. Et il ne stream pas de chez lui. En fait, c'est ça que je veux dire. Donc là, on ne sait même pas s'il si leur a dit bonjour aux dames. J'aimerais bien voir la séquence en entier parce qu'on ne sait même pas s'il si leur a dit bonjour en fait. Bon, j'ai n'ai pas trouvé la séquence en entier donc je ne pourrais pas vous dire s'il si leur a dit bonjour au moins. Je pense que oui, j'espère en tout cas qu'il leur a dit bonjour quand elles sont rentrées. Mais en fait, on voit qu'il y a deux femmes derrière qui sont en train de faire le ménage. Donc là, il sort un petit bloc-notes, le petit bloc-notes Windows ou je ne sais quoi, euh, pour pouvoir parler à son audience sans qu'elles entendent. Parce qu'elles entendent ce qu'il dit. Donc là, a priori, il va dire quelque chose qu'il n'a pas envie qu'elles entendent. Normalement. Euh... Normalement, je ne suis pas comme embarrassé. Like embarrassed chat, alors je sais pas ce qu'il veut dire par là. Peut-être qu'il parle au chat. Peut-être qu'il dit :« Hey, le chat. Normalement, je suis pas comme ça, tout timide et embarrassé. Je suis comme euh, plus social et relax. » Mais cette fois, j'imagine qu'il parle des, euh, des femmes de ménage. Son interaction habituelle avec les femmes de ménage Elle est plus détendue. Il est plus, il est moins timide, moins embarrassé. Mais cette fois. Mais cette fois, il y a beaucoup de bazar, il y a beaucoup d'immondices en fait, de d'ordures, de, de déchets quoi. Mince. Et là, je suis gêné. Désolé. Euh, mince, elles, ont, euh, elles sont en train de nettoyer depuis des, des, des années. Euh, je ne sais même pas quoi dire. Et en gros, on voit la meuf derrière qui regarde, donc elle doit être en train de lire l'écran en fait. Et donc là, il s'est rendu compte qu'elle regardait, donc il efface vite fait. C'est vraiment, mais quel âge a ce mec en fait Il a 27 ans. Et franchement, j'aurais dit qu'il en avait 35 ou 40 parce qu'il a il a une tête. Il a une tête, honnêtement, euh, il fait pas cet âge-là, il fait beaucoup plus vieux. Alors je comprends pas ce qui fait qu'il a autant de succès. Ce mec, a priori, c'est euh, voilà, un escroc, ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, euh, en gros, il, il pompe les contenus des autres. Euh, c'est un mec qui a une sorte de syndrome de Diogène. C'est-à-dire, le mec, il n'est même pas capable de ranger la pièce où il travaille. D'accord Il est même pas capable de euh, euh, s'excuser. Moi, franchement, moi, je vous le dis, hein, moi, je ne suis pas un parent de vertu. Je ne suis pas le mec le plus... Euh, comment dire incriticable du monde, loin de là, d'accord, j'ai mes défauts, etc. Mais honnêtement, je suis dans une pièce comme ça, je me suis laissé aller pendant une semaine, des fois on peut se laisser aller en termes de rangement, etc. Des fois c'est le bordel, mon bureau, d'accord. Mais vous bout d'un moment, soit tu travailles par toi-même, au bout d'un moment tu te dis c'est le truc de trop, quoi. Tu te dis non mais attends, mais c'est quoi ce truc qui est en train de pourrir sur mon bureau et tout Ça m'est jamais arrivé, moi j'ai de la bouffe, je laisse jamais. Mais euh, voilà, je sais pas, il y a un truc qui colle, ou je sais pas quoi, tu passes ton doigt sur ton clavier, il colle, tu te rends compte qu'il y a de la poussière ou je ne sais quoi. Tu vois, il y a trop de poussière et tout. Tu te dis, bon. Voilà, tu te dis, bon, allez. Hop, tu te lèves et tu te mets à bosser. OK. Imaginons que lui, il n'en soit pas là. Il est trop immature pour pouvoir prendre ce genre de décision. Quand même, quand il y a les femmes de ménage qui arrivent, et que tu sais que le bordel qui t'entoure, alors que tu es présent en plus, tu es présent physiquement, est inacceptable. C'est inacceptable, c'est inhumain quasiment, le bordel, le, le bazar, la saleté qui t'entoure, qui compose ton milieu, là où tu travailles devant des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Normalement, le minimum, c'est dire les gars, montrer un exemple déjà à ses viewers et dire les gars. Franchement, je ne m'en suis pas rendu compte, je me, suis allé, je me suis trop laissé aller ces derniers temps, mais c'est un bazar pas possible. Alors, les gars, je suis désolé, je vais vous mettre un peu de musique. J'imagine qu'il a dû faire des chansons, comme tous les gens connus. Aujourd'hui, tout le monde fait de la chanson grâce à Autotune et, et au directeur artistique. Mais n'importe qui peut faire des chansons, même Arnukir, là, je sais pas, Arcunir, là, je sais pas quoi, qui s'est éclaté au sol, bref. Même moi, je fais du son, non, je rigole. Et du coup, tu te lèves et tu dis écoutez, les gars, je vais les aider parce que c'est trop dégueu, j'ai trop honte en fait. Tu te lèves, tu dis mesdames, franchement, je suis désolé, c'est trop le bazar, je vais vous donner un coup de main et je vais vous donner 50 dollars chacune pour la peine parce que là, franchement, je me suis trop laissé aller, euh, c'est presque irrespectueux. Quoi. Si tu es un homme, en fait, c'est le minimum que tu puisses faire parce que surtout qu'il est millionnaire, hein. je veux dire, s'il est numéro un mondial en termes de stream, c'est qu'il est millionnaire. D'accord Il est millionnaire, vraiment. Il a 27 ans, il a plusieurs millions de dollars. D'accord donc il peut très bien leur lâcher 500 dollars chacune comme ça, ça ne lui coûte rien, c'est même pas ce qu'ils gagnent dans la journée, d'accord Donc euh, voilà, au bout d'un moment, ça s'appelle la dignité, ça s'appelle l'honneur, ça s'appelle l'humanité, tu te lèves, tu les aides à nettoyer et tu leur donnes un billet et tu dis écoutez la prochaine fois j'essaierai de, déjà de vous laisser travailler tranquille, de ne pas taper un truc sur mon ordi pendant que vous êtes en train de bosser et de ne pas faire comme si vous n'existiez pas alors que vous êtes en train de nettoyer ma mère d'à côté, quoi. Mais c'est quoi, c'est un bébé le mec, il se fait torcher les fesses, est-ce que son king, lui, c'est de faire venir des bœufs chez lui, et il se met une grosse couche, il se fait caca sur lui, il faut lui nettoyer les fesses, c'est ça ton délire dans la vie, euh, XQC, je sais pas quoi là PewDiePie et plus en fait, il a la même tête que PewDiePie, il est un vilain, quoi. En moins beau, on va peut pas dire vilain, parce que je, je, je suis personne pour dire qu'il est vilain, mais mec, c'est ça ton, ton but dans la vie en fait Tu veux pas grandir, t'as 27 piges gros T'as 27 piges, gros. Sérieux. Franchement, il y a des gens, ils ont honte de rien, quoi. Franchement, Moi, je suis choqué. Et du coup, ça m'étonne pas du tout que tu te sois fait retourner pour venir toyer, vandaliser notre là, qui est une jeune fille de 12 ans, qui a été massacrée, abusée, euh, décapitée. Et toi, t'es venu effacer ça parce qu'on t'a dit, ben, t'es un enfant, en fait, ça se voit. Donc, je t'en veux encore moins, en fait. Voilà, je t'en veux encore moins, parce que t'es un enfant, mec. Voilà. C'est abject, mais t'es un enfant. Et le problème de notre société, le problème de notre civilisation, c'est qu'elle a érigé la parole d'enfants, que ce soit des enfants idéologues comme les communistes, ou des enfants euh, influenceurs comme toi, tu peux l'être, ou les mecs de téléralité, ou je ne sais pas quoi, au rang de vedettes de, de demi-dieux, en fait. Quand les darons moi on est euh, des beaufs on est des débiles on comprend rien parce qu'en gros on passe trop de temps avec nos familles pour s'intéresser aux dernières tendances progressistes à la con en fait voilà c'est un petit peu problématique en fait c'est un tout petit peu pour... franchement hein, c'est un petit peu problématique va falloir que les gens au bout d'un moment ils choisissent de meilleurs exemples dans la vie déjà éliminer tous ceux qui n'ont pas d'enfants je vous dis hein, si vous voulez avoir des enfants un jour éliminer tous les gens dans vos exemples, hein, éliminez pas physiquement, éliminez de votre cheptel, de votre gamme d'exemples, tous les gens qui n'ont pas d'enfants. Voilà, tout simplement. Ils n'ont rien à vous apprendre. voilà. Ils n'ont rien à vous apprendre. Rien du tout. Mettez un pouce, un like, abonnez-vous, et puis excusez. Euh, tu pourrais t'excuser, hein, parce que je fais du rap. Et euh, non, grandis, franchement. Grandis, mec, et puis euh, je sais pas, la prochaine fois, donne un yebi aux meufs, quoi, quand même. On un petit yébi, quoi. Le mec, te torcher le cul chez toi en live. T'es même pas foutu de leur donner un petit yébi, de faire le beau gosse et de faire le gars gentil et de leur offrir un café ou je ne sais quoi. C'est vraiment l'américaine, ça, j'ai l'impression. Je ne sais pas où vous en êtes, les gars, mais euh, franchement, c'est catastrophique. Allez, je vous embrasse, je vous fais un bisou, un pouce, un like. À plus tard, les petits copains, les petits malins. Faites attention à vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Et puis euh, tout le reste. Ciao.